Alors, mon autre question, je saute un petit peu du coq à l'âne. Pourquoi ils ont la volonté d'assombrir le, comment dire, le, je vais dire le ciel, mais j'ai pas le mot qui me vient. Je te disais précédemment qu'en fait, la luminosité avait baissé depuis les années 60, mais beaucoup, hein, j'ai plus le pourcentage. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Endormi. Pour endormir. Pour comme lisser. En fait, c'est comme si il n'y aurait plus de contraste à un moment. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si je vois du blanc, du noir, et bien là, ça serait du gris. Tout est pareil, tout le monde est gris. Le ciel est gris. Les personnages sont gris, le décor autour, tout est gris, tout est lissé, tout est, j'entends neutraliser, tout est plat, tout, j'entends robotisé, tout est automatisé, tout est très machine en fait. Tout est pareil en fait, tout se ressemble. Ouais. Tout est voilà, on est très dans la machine après. On est très noir et blanc, les chiffres, le fond noir, les écritures blanches, voilà, c'est tout. Après, c'est gris. Et en fait, c'est gris, c'est lisse. C'est comme si, du coup, c'est. Il n'y a plus personne qui réagit. On est comme des machines. On est comme des robots. Là, ce que tu es en train de me dire, ça me fait penser à un film qui s'appelle Giver ou The Giver. Je sais pas si tu l'as vu. En fait, c'est dans un futur où les gens ont tout oublié. On leur fait croire qu'en fait, le passé, comment dire, a été terrible. Et du coup, tous les matins, ils se font une injection par le poignet. Et le début du film, en fait, c'est en noir et blanc, parce qu'ils y voient en noir et blanc. Et il y a un type, c'est le gardien de la mémoire, et en fait. Va rencontrer un jeune garçon et le jeune garçon va commencer à voir en couleur. Parce que tu vois, j'entends dans ce que je voyais là où tout est gris, je sais pas s'il y a ça dans ton film, c'est comme s'il y avait des haut-parleurs où on répète des choses aux gens, où tout le monde entend dans la rue, partout. Ben voilà, c'est ça que ça me montre. Il y a aussi des espèces de caméras de surveillance, Ouais. des drones qui surveillent, etc. Et je vois les personnages, ils sont neutres. En fait, pas comment dire. Comme on pourrait dire sans intérêt ou shooté, je sais pas. Ils avancent machinalement, je dirais.